You think you know me. Pour ceux qui chercheraient la musique de la cinématique qui vient de passer, qui est certainement la meilleure musique de DMC3, c'est Devil Never Cry. Et c'était la musique du trailer, du premier trailer du jeu. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il faut le voir. Enfin, c'est vrai que moi, évidemment, comme je l'ai vécu, c'était vraiment un très très beau trailer. Bon, passons à ça. Cette mission secrète-là, typiquement, c'est une mission secrète que vous aimeriez peut-être refaire plus tard dans le jeu. Il va falloir faire monter l'ascenseur en faisant tomber les ennemis. Parce que s'il y a plus de 5 ennemis sur l'ascenseur, il va retomber. Alors vous me direz, c'est facile, sauf que les ennemis se transforment. Donc ils sont très durs à éjecter. Là vous avez en fait plusieurs solutions. Vous pouvez, si vous êtes en Sword Master 3, utiliser Agni Rudra et l'attaque qui fait arrière plus touche de style. Ça fait une espèce de grosse tornade, donc ça éjecte bien. Sinon, à ce niveau-là du jeu, vous pouvez faire ça. Vous mettez en gunslinger avec le fusil à pompe et vous faites juste la touche d'attaque, la touche de style, et ça va faire ça et ça éjecte les ennemis. Il va vous falloir sûrement beaucoup d'essais parce que là, évidemment, moi j'ai réussi, il m'a fallu vachement de temps, hein. J'ai mis une bonne demi-heure avant d'y arriver parce que les ennemis sont pas toujours bien éjectés. C'est une mission secrète qui est, il faut l'admettre, très difficile. Il y a un petit peu d'aléatoire, mais vous voyez, c'est faisable au début du jeu. Vous aurez peut-être un peu de mal, donc si ça vous fait chier, vous pouvez parfaitement la refaire plus tard dans le jeu. Hein, donc vous fatiguez pas trop avec ça. Bon, là pour ouvrir la porte, il faut péter 5 trucs comme ça, qui sont répartis un petit peu. Et il y a une orbe bleue que je vais aller récupérer juste derrière, qui est sur le bateau. Et attention, là, l'espèce de flaque de merde, c'est les sucs gastriques vu qu'on est dans son bide, et donc ça vous fait perdre de la vie. Évitez de vous faire digérer, ce sera dommage. Donc il y a un pont dans l'animal. Voilà, c'est normal. À la limite qu'on trouve un bateau et un bus, on souhaite, mais un pont, là j'ai un peu de mal à... Je peux pas la comprendre comment le pont est arrivé là. Il y a quelqu'un qui a construit un pont dans ses organes. C'est assez conceptuel en soi.
il y a à peu près tout qui pourrait être plus ou moins crédible, même si bon, l'intérieur du corps a une forme un peu bizarre, hein, on se croirait dans Pinocchio, sauf que Pinocchio c'est une fiction. Enfin vous me direz, un mec qui est mi-homme, mi-démon, c'est aussi une fiction, donc après tout on peut faire ce qu'on veut. Mais bon, le pont dans le corps d'un monstre, je trouve ça bizarre quand même. Bon là il aurait fallu que je récupère l'orbe bleue avant de me faire chier à monter, parce que là il va falloir que je redescende par en dessous. Ou alors il aurait fallu que je détruise le truc avant de descendre. Bon, ça c'est une connerie de ma part. Donc je vais refaire le tour, là c'est un petit peu de temps perdu. J'en suis navré. Arrêtez de m'accabler tout le temps comme ça. Franchement, je vous vois moi, derrière l'écran, je vous entends, hein, vous dites de mal de moi et ça m'énerve. Moi je vais arrêter de faire les vidéos si vous continuez. Non mais oh. N'importe quoi ça. Alors on ôtera pas de l'idée, j'ai peut-être l'esprit mal placé, mais cette ouverture moi me fait penser à autre chose, hein, mais bon. Bon, à part que celles que je connais, elles ont pas de crochet, mais... Et encore heureux. Mais bref, ça me fait penser à des choses pas nettes, honnêtement. Je sais pas ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait ce truc-là, mais enfin bon. C'est peut-être un monstre femelle, je ne sais pas. Alors c'est assez amusant parce qu'on retrouve toute l'ambiance qu'il y avait dans la fin de DMC1, dans l'Outre-Monde, l'Underworld. On a les mêmes portes qui sont avec des membranes, on retrouve la musique qui est à peu près similaire il me semble, l'ambiance sonore et tout, il y a même le son du boss ressemble beaucoup à des sons, enfin c'est des sons de DMC1 qui ont été repris. J'ai plusieurs fois dans le jeu, hein, j'ai remarqué ça, il y a vraiment les mêmes sons du 1 qui sont revenus. Pas nécessairement ceux des ennemis, mais des sons d'ambiance qui sont pas mal d'endroits. Ici notamment quand on parle, ça fait... C'est le même son que dans le 1. C'est assez marrant qu'ils aient repris les mêmes sons, c'est sympa quoi. On sent bien qu'ils voulaient se rattraper du 2, qui avait beaucoup déçu les fans. On sent vraiment qu'ils ont voulu cette fois-ci s'adresser aux fans du 1. Même si en l'occurrence, tous ceux qui ont aimé le 1 n'ont pas forcément aimé le 3. Je l'ai déjà évoqué, mais Dante a quand même pas mal changé de personnalité. Là il faut casser la membrane et rentrer, alors là elle est cassée, hein, normalement je devais pouvoir rentrer. Je sais pas si on peut tuer le machin un petit peu à la manière de fantôme dans le 1. C'est pas très pratique, je le fais pas. Ah, ces ennemis là, vous les verrez que dans cette zone là, heureusement. Bon, ils ont rien de spécial, ils sont comme les basiques. Sauf qu'ils sont un petit peu plus insensibles à certaines attaques, je crois. Et encore. Ils font rien de spécial, ils font que attaquer quand ils sont collés à vous. Je fais souvent des provocations, hein, c'est la touche select. C'est pour maintenir ma jauge de style assez élevée. Parce que non seulement ça empêche qu'elle descende, mais ça la fait monter. Par contre, vous pouvez pas le faire 1000 fois d'affilée, hein. C'est comme pour les attaques, il faut varier. Il faut attendre un petit moment avant de le refaire. Là, pour ouvrir cette membrane, en fait, il va falloir lui donner des orbes rouges. Donc il faut tuer des ennemis jusqu'à ce que l'objet soit à l'air libre. Et là, ils vont tous mourir d'un coup. Il faut juste se battre. Tuer un max d'ennemis. Rappelons qu'à partir de cette mission, on peut se transformer. Je l'ai pas précisé, j'en ai pas parlé, mais quand vous appuyez sur la touche L1, vous vous transformez en démon. Vous devenez plus fort, vous courez plus vite, vous faites plus de dégâts, enfin, vous êtes plus fort. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle se vide plus vite que dans le 1. Enfin, je l'utilise beaucoup moins que dans le 1, de toute manière. Enfin, vous verrez, dans le 1, je l'utilisais pas beaucoup. Il faut savoir aussi que quand vous vous transformez, là, il y a une espèce d'onde de choc rouge. C'est pas juste un style, hein, ça fait des dégâts. C'est léger, mais vous verrez que ça fait des dégâts aux ennemis un petit peu. Mais il faut qu'ils soient collés à vous, par contre. Donc le fait de se transformer peut tuer un ennemi. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Mais il me semble bien.
pas un espèce d'œil qu'on était là? J'ai pas regardé, mais on n'était pas dans son œil. Comment on a atterri dans les intestins en partant de l'œil? J'espère que je me suis gouré, parce que sinon il est vraiment très chelou ce machin. On dirait ça un monstre, quand même. Il vous faut Cerberus au fait, hein, je l'ai pas précisé, mais... Là je cherche parce que je sais qu'il y a une statue quelque part, j'étais en train de chercher, mais c'est plus loin. C'est plus loin, il vous faudra Cerberus. C'est une statue de... je sais plus quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Les statues des juges, ça s'appelait dans le 4. Alors dans le 3, comment ils ont appelé ça? Je rappelle au cas où, hein, le but ici c'est de varier vos combos et de ne pas faire deux fois d'affilée le même. Il faut faire en gros trois combos différents à peu près pour que ça recommence à charger la jauge. Et voilà de nouveau le casse-pied. Donc faut éviter quand il essaye de mordre et puis casser la membrane à la fin. Si vous vous transformez, vous courez plus vite et vous allez le semer complètement. Hein. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Je crois pas que vous risquez de genre vous faire avaler et de perdre carrément et d'avoir un game over. Je crois. Ouais, tentez pas le diable non plus. Hein. J'ai tenté, du coup j'ai découvert, enfin j'ai redécouvert le combo là. Du coup j'ai essayé de le placer, mais en fait il y a des combos qui sont vraiment trop compliqués à passer en combat. C'est très joli, mais à placer c'est quand même pas évident. Et au final c'est pas spécialement rentable en termes de dégâts. Ça c'est, bon, en soi on peut considérer ça comme un défaut, c'est que vous verrez dans celui-là comparé au 1, vous pouvez faire des combos beaucoup plus jolis. Ou plus sympa, varié et tout. Par contre, au final, il y en a très peu, enfin, il y en a beaucoup qui sont vraiment inefficaces et donc on n'utilise jamais. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à utiliser les mêmes attaques, les mêmes combos, parce que il y en a vraiment, ils sont impossibles à faire là, où il a même pas le temps de se finir le combo. Et au final, il faut éviter ce genre de truc, on n'est pas dans un jeu comme God of War ou quoi que ce soit, il vaut mieux favoriser les combos où vous faites des attaques uniques les unes après les autres plutôt qu'une attaque qui va durer une ou deux secondes et où vous pouvez rien faire. Parce que l'intérêt de DMC c'est que vous pouvez canceller quand même vos attaques souvent et éviter assez rapidement en faisant un saut par exemple. Bon, rapidement sur ce boss là, il n'est pas extrêmement compliqué, il faut viser le centre, mais évidemment la zone sensible n'apparaît pas tout de suite. Il faut d'abord faire les préliminaires, excusez-moi, il faut d'abord en gros niquer les trucs soit à gauche soit à droite, l'un ou l'autre, hein, peu importe, et vous n'êtes pas obligé d'alterner gauche-droite, hein. Vous pouvez tout le temps faire celui de droite, moi je conseille celui de droite, alors je ne sais plus ce que fait celui de gauche. Je crois qu'en gros quand il meurt il vous donne une orbe rouge, mais en fait celui de droite, si vous le laissez vivre, il absorbe votre jauge diabolique. Enfin, votre jauge, quand vous allez voir, il y a des espèces de boules blanches qui vont sortir de moi, il va les aspirer. Et en fait il aspire ma jauge diabolique, donc en soi il vaut mieux attaquer celui de droite pour qu'il évite de faire ça, enfin pour éviter qu'il ne fasse ça. Voilà, là il est en train de m'absorber et voilà. Du coup je vais pas pouvoir me transformer, c'est chiant. Bon, sinon ce boss là est vraiment simple, tout le temps la même chose, après il faut éviter ces rayons rouges et éviter un petit peu les connards qui vous font chier. Y'a rien de compliqué.
Voilà, vous le stimulez bien, puis dès qu'il dès qu'il sera assez stimulé, il s'ouvrira à vous, comme une fleur au printemps. Je me demande ce qu'ils avaient en tête quand même quand ils ont créé ce truc-là. Alors voilà, moi j'essaie de faire ça, c'est lancer l'épée pour qu'elle se plante et ensuite passer sur Cerberus. Comme ça vous faites deux fois plus de dégâts. Attention à ces boules là, je sais pas ce qui se passe si jamais vous touche, je me suis pas fait avoir. Là c'était un rayon qui m'a touché. Alors je conseille aussi de faire celui de droite parce que celui de gauche, vous voyez, souvent il part en arrière. Et il est vraiment chiant à toucher en fait. Alors celui-là, vous voyez, il est bien au sol et vous pouvez l'enchaîner facilement. People once cried out in fear of this tower. Timon it grew. A foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. What's your name? I don't have a name. Okay. Then what should I call you? I don't care. Whatever you want. Whatever, lady.
I'll leave this to you. Cause I don't want to miss the party. Who counted on you anyway? On enchaîne sur la mission 9. Une mission... Il y aura un boss. Il y aura un boss, oui. C'est juste pour vous prévenir. Ça n'a aucun intérêt à ce stade. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Bon, je suis navré, j'ai plus grand chose à vous dire maintenant sur les speedruns de DMC. Hein, ce que j'ai. C'est, il est long. Il est long. Ça, on peut dire ça, tiens. Comparé au 1, DMC 3 est quand même vachement long. Là, j'en suis à la mission 19, donc il me reste plus que 2. En comptant la 19, du coup. En fait, il y a autant de missions que dans le premier, mais il y a beaucoup plus de cinématiques, puisque vous en avez une en début et une à la fin de chaque mission, quasiment. Et il faut bien admettre que les niveaux sont plus longs. Peut-être plus longs à rusher. Alors c'est peut-être moi aussi, parce que je gère un petit peu moins, mais... C'est peut-être aussi cette possibilité de faire des combos qui est un peu plus varié et tout, qui fait que les combats sont plus longs. Mais dans l'ensemble, DMC3 est quand même beaucoup plus long que le 1, je trouve. Alors après, une fois de plus, le 1, c'est parce que je l'ai fini tellement de fois qu'en fait, je le finis très rapidement parce que je perds pas de temps. Donc il faudrait voir, mais vous pouvez donner votre avis, mais je pense que le 3 est quand même plus long. Le 4, autant que je me souvienne, et même le 4, je crois, il est moins long que ça. Dans celui-là, alors ça peut être quelque chose de bien comme de moins bien, il y a vraiment beaucoup de cinématiques. Donc, moi je trouve ça sympa, ça fait un peu d'immersion, ça fait une histoire. Il est dommage malgré tout que l'histoire, malgré autant de cinématiques, elle soit pas si palpitante. On en reparlera un petit peu plus tard, mais Lady, ça m'a énervé. Au final, je trouvais le scénario bien au début, puis c'est vrai que quand on arrive à Lady, ça devient lourd de voir une espèce de gamine naïve au possible. Franchement, on est loin du DMC1 avec un scénario vraiment sérieux, vraiment... Là, on parle pas tant que ça de Dante et Virgil, on les voit, mais il n'y a pas tant de choses que ça sur Sparda et tout, c'est surtout l'histoire de Lady et de son père. Et c'est vraiment chiant, en fait. Au final, c'est chiant. Et elle est insupportable, moi j'ai envie de lui mettre des baffes, honnêtement. Si je l'avais en face de moi, mais je lui mettrais des baffes, je lui dis, mais attends, mais t'es complètement débile, ma pauvre. Bon, là, on a une petite orbe bleue, il vous faut Trickster, mais comme vous voyez, il y a une statue juste à côté, donc pas de soucis. Il faut faire un wall hack. Bon, je sais plus comment ils appellent ça, mais enfin, courir sur le mur, quoi. Courir sur le mur et, voilà, vers le milieu du saut, faites un double saut. Ici c'est une petite énigme toute simple, il faut que le rayon frappe la statue qui est au sud. Et donc voilà, vous cassez les trucs, hop. Très facile. Plus tard il y aura une mission secrète où il y aura des puzzles un petit peu plus compliqués que ça. Bon, rien d'extraordinaire. En fait, DMC3, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sa vraie force, hein, c'est vraiment son gameplay et c'est lui qui introduisait les styles, les touches de style et surtout il y a beaucoup d'armes. Ça, c'est de tous les Devil May Cry, c'est vraiment le meilleur là-dessus. C'est la diversité des armes, elles sont toutes différentes, elles ont toutes des trucs vraiment particuliers.
Dans le 4, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3, même si les 3 sont intéressantes en soi. Bon, voilà, dans celui-là, il y en a plus, il y en a 5 ou 6. Et il faut admettre, c'est sa grosse force. Après, moi je vous dis, le scénario, je regrette qu'on parle pas plus d'NT, de Sparda, de Vergil, qu'on en apprenne pas plus sur eux. On n'apprend rien sur leur mère, c'est quand même débile. On est en plein dans la période où leur mère est morte. Puisque dans le 1, Trish le disait, votre frère et votre mère sont morts il y a 20 ans. Donc ça sous-entend que Vergil et Trish sont morts à peu près à la même période. Vergil meurt à la fin de cet épisode. Du coup, ça veut dire que la mère est morte un petit peu avant. Et pourtant, on n'en parle jamais, à part qu'ils ont le médaillon, quoi. Et je trouve ça quand même dommage. Pourquoi ne pas parler de leur mère? Pourquoi ne pas expliquer comment elle est morte? Ne serait-ce que l'évoquer, c'est quand même assez bizarre. Ils évoquent vite fait, enfin j'en ai l'impression, la relation qu'ils avaient avec leur père. D'après ce qu'on peut comprendre, ils n'ont pas vraiment connu leur père, hein, puisque Dante, il dit « j'ai pas de père ». Alors soit il est vraiment très fâché avec son père, moi je pense plutôt qu'ils l'ont pas connu, qu'il est parti quand ils étaient jeunes, mais une fois de plus, on n'en sait rien, on n'apprend rien là-dessus. Je pense qu'ils auraient mieux fait de parler de ça plutôt que de parler de l'histoire d'une gamine qui comprend que dalle et qui se fait avoir comme une débile, et d'un mec qui a voulu devenir un démon, qui par moments est assez stylé et sympa, et puis tout d'un coup redevient un méchant tout à fait ridicule, enfin... Bon, Arkham, non, il n'est pas totalement naze comme méchant, son style est un petit peu bizarre, son chara-design n'est pas forcément exceptionnel, mais bon, ensemble ça va. Bon, je peux pas dire plus sur ce qu'il est également à côté de ça, j'en parlerai quand on y sera dans le scénario. Pour ceux qui ont déjà fini le jeu, ils savent de quoi je parle, mais je vais éviter de spoiler les gens trop quand même. On m'a dit que je spoilais quand même des gens. Bon, c'est vrai qu'après tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au DMC à l'époque, et si vous jouez au HD Collection, c'est qu'a priori, vous n'y avez pas joué à l'époque. Et puis si vous regardez ma vidéo, c'est qu'en plus vous avez besoin d'aide, donc une fois de plus, ça serait étonnant que vous ayez joué dans ce cas-là. Alors bon, là je fais une petite erreur, je vais aller à la cascade. Alors là ici, il faut monter aussi, je ne l'ai pas fait là, je le referai dans la prochaine mission. On pouvait monter sur la plateforme qui était au-dessus, et il y a une arme. Voilà. Et là je vais dans la cascade, normalement c'est pas dans cet ordre là qu'on le fait. Il fallait y venir plus tard, mais bon, vous allez le voir, mais c'est parce que je faisais la mission secrète en fait. Bon voilà, faut briser tous les objets, franchement c'est super simple. Que vous soyez en Trickster, en Swordmaster, peu importe, ça changera rien, vous avez largement le temps. Oui, en plus, ouais, je trouve le moyen de me bloquer et pourtant j'ai réussi. Faut juste, voilà, là, à la limite, faut éviter d'oublier les bouteilles. C'est le seul risque que vous avez. Il y a beaucoup moins de fragments bleus que dans le 1. Là je suis arrivé à la fin, donc je m'en suis rendu compte, il n'y en a que 32 à trouver, en comptant les missions secrètes. C'est-à-dire donc qu'il y a 20 fragments et 12 missions secrètes, alors que dans le premier, on avait en tout, avec les missions secrètes, on avait 44 plus 2 heures complètes. Donc il y en a beaucoup moins dans celui-là, ce qui est assez surprenant en soi. Alors comment ça se fait? Est-ce qu'on commence avec plus de vie? C'est soit on commence avec plus de vie, soit on gagne plus de vie à chaque fois en fait. Parce que là, dans celui-là, on voit bien chaque petit segment. Donc c'est 10 segments par ligne. Il y a 20 segments en tout. Et dans le premier, comme il n'y avait pas de segments, ça se trouve, ils étaient plus petits que ça en fait. On gagnait peut-être un petit peu moins à chaque fois. Voilà, alors là, ce combat-là n'est pas obligatoire puisqu'il va falloir que je ressorte et que je revienne plus tard. Mais bon. Après tout, c'est toujours sympa de faire un petit combat comme ça. Je voulais laisser, je voulais faire un montage, mais je voulais laisser parce que je suis venu ici récupérer un objet. Donc c'était histoire que vous voyez qu'il y avait un objet ici. Sinon après, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la vidéo.
Là, je vais ressortir de la cascade et aller prendre la porte qui était près de la statue du destin. Ou du lion. Oh, je sais pas comment ils appellent ça non plus. Peu importe. Le sablier du temps. Voilà, je crois que c'est ça. Je l'ai pas précisé, mais les lames évidemment vous font des dégâts, hein. Vous vous faites pas toucher. Bon, celles-ci sont assez simples à éviter, c'est un petit peu plus loin dans le jeu, il y aura des passages où c'est un peu chiant, on se les prend des fois. C'est assez marrant ces bandes noires qui sont apparues et qui apparaissent et qui disparaissent. Je crois que ça c'est un petit problème quand ils ont fait la collection HD. J'ai un petit peu merdouillé là-dessus. C'est vrai que les cinématiques, pour ceux qui ont le jeu, vous me direz aussi ce que vous en pensez, mais les cinématiques sont assez moches par moment, il y a beaucoup d'aliasing. Et c'est comme ça qu'on dit il me semble. Et il y a beaucoup d'aliasing et... Et pendant le jeu, c'est très net. Enfin, le jeu est net, il est fluide, les images sont plutôt agréables à l'œil. Je veux dire, on voit bien là-dessus que ça a été bien lissé. Mais les cinématiques, vraiment, ça fait mal aux yeux par moment. C'est vrai que là-dessus, ils ont un petit peu. Enfin, j'imagine que c'était un petit peu plus complexe de refaire des cinématiques que de refaire le jeu lui-même comme ça. Là, c'est pas exactement la même chose de refaire une cinématique. Que de refaire des textures du in-game. Mais c'est vrai que là-dessus, je serais curieux de savoir un petit peu pourquoi c'est vraiment à ce point-là. Je pense qu'ils auraient quand même pu prendre le temps de le faire. Après, une fois de plus, j'ai pas d'idée concrète du temps et de la difficulté que c'est de lisser un vieux jeu. Ça doit pas être si simple que ça, sinon ça leur prendrait moins de temps. On m'a posé la question sur le décalage qu'il pourrait y avoir entre le son et l'image. Alors si vous avez ça, a priori les développeurs savent pas d'où ça vient. Ils ont fait différents tests et ils n'arrivent pas à trouver le facteur commun qui fait que ça fait ça. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'a priori ça le ferait pas mal sur les télévisions qui ne sont pas en HD, donc sur les vieilles télés. A priori ça viendrait de là. Mais les développeurs n'ont pas réussi à trouver... d'où ça venait. Ils ont essayé plusieurs configurations et à chaque fois ils n'arrivent pas à voir le facteur commun qui fait que ça marche pas. Donc si vous avez un décalage son image, je suis désolé, mais à moins de changer de télé, a priori vous pourrez pas régler votre problème. Ça, enfin je suis désolé, c'est pas ma faute, hein. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Pas savoir d'où vient un bug, c'est pas évident. C'est pas évident à trouver, hein. Faut pas non plus vous mettre à les insulter les mecs, hein. C'est vrai que bon, c'est leur boulot, on est d'accord, mais c'est le genre de truc technique qui est pas facile à trouver parce que ça dépend pas tellement d'eux en fait. Ça vient sûrement des télés où il doit y avoir un truc qui fait ça, mais voilà, ils arrivent pas à trouver. Et... moi non plus je vois pas ce qui ferait que ça marcherait moins bien sur certaines télés que d'autres. Ça pourrait venir des câbles à la limite, mais ce serait étonnant que ça le fasse que sur ce jeu là, quoi. C'est assez étrange.
Welcome, sir. Is this your first time here? Yeah, it is. You'll be nice to me, won't you? Of course I will. I'll treat you so nicely. You'll never want to leave. Now that's what I'm talking about. Then, come on, sugar. Evan, un boss, si vous êtes jeune, un boss que vous ferez en baissant le volume, hein, c'est typiquement le même problème que ces dessins animés nippons quand on était jeune. On baissait le volume parce qu'on avait peur que nos parents croient qu'on regarde un porno. Là, c'est typiquement ça. Les cinématiques, c'est assez tendancieux, je trouve. Bon, bref, passons au personnage. Les attaques. Elle a quelques attaques comme ça. Elle fait une toupie autour d'elle. Elle fait... des lames devant elle, elle va électrifier le sol. Vous verrez toutes les attaques et vous allez voir comment il faut les éviter. En gros, il faut détruire ses chauves-souris pour pouvoir ensuite lui faire des dégâts. Tant que ses chauves-souris sont là, vous pouvez rien faire. Sinon, ces attaques sont pas très très dures à éviter. Moi, j'en prends quelques-unes, évidemment. C'est parce que ça faisait longtemps. Et vers la fin du combat, on le verra, et des fois elle enlève ses chauves-souris, donc vous êtes tenté de l'attaquer, mais il faut pas. Il faut pas parce qu'en fait elle va ouvrir les bras et aller vers vous, et si elle vous chope, elle va aspirer votre vie. Alors soit vous l'évitez, vous courez, c'est pas très compliqué, soit vous pouvez vous transformer, et dans ce cas-là, transformez-vous et vous pouvez aller la taper. Parce qu'en fait, si vous êtes transformé, elle ne peut pas vous attraper. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux garder votre jauge pour la fin du combat. Et vous emballez pas trop, essayez, vous empalez pas sur elle, parce que ses attaques malgré tout font quand même des dégâts. Donc évitez de trop vous jeter comme un fou sur elle. Là elle va faire ses éclairs quand elle fait ça. Même pas besoin de double saut, hein. Vous sautez, vous tirez au flingue, hop, ça suffit amplement. Évitez de faire un double saut sur elle, parce que l'éclair qui vient, enfin quand elle fait au sol, l'éclair il vient du haut et vous pouvez vous prendre. Voilà, là c'est dommage. Je lui ai fait tomber ses chauves-souris en étant loin, et vu que je l'ai pas attaqué derrière, et bah, elle les a récupérées. Ça, c'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter. Alors non, je ne me rappelais pas. Je pensais pas que ces chauves-souris allaient se barrer en fait à ce moment-là. Je pensais pas qu'elles casseraient. Alors, je prends beaucoup, vraiment beaucoup de dégâts bêtement. C'est... Le combat est assez foireux. Je vais quasiment faire un autre damage à la mission 18, mais là c'est vrai que ça faisait longtemps et je me suis fait avoir des attaques assez débiles. Bon, c'est comme tous les boss de toute façon, la première fois c'est pas forcément évident parce que vous connaissez pas ses attaques. Mais une fois que vous connaîtrez un petit peu les attaques qu'elle peut faire, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Ces éclairs là, oui, en fait quand elle les place, ils vont dans une certaine direction. Comme l'arène est assez grande, vous pouvez parfaitement les éviter sur le côté, sans avoir à sauter ou des trucs comme ça. Bon,
Voilà, pour éviter ces trucs là, autant courir. Voilà, là ça veut dire qu'elle va me choper. Ah non, en fait. Ah, c'est parce que j'ai dû attaquer pile à un moment où elle faisait un truc, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je l'ai dû attaquer à un moment où elle faisait une attaque spéciale ou une histoire comme ça. Bref. Voilà, là elle va essayer de m'attraper. Et elle va m'attraper. Et je peux pas me transformer, donc vous voyez, elle régénère beaucoup sa vie quand même. Bon, le combat va se terminer, ainsi que cette vidéo, et on se retrouvera pour la prochaine mission. Moi je vous dis à plus maintenant, allez, salut. You'd think so, wouldn't you? All right. I'll help you. Your father was a handsome devil. But you're no slouch yourself. Welcome back.